Subopal, directeur général bureau Minak Energia, ingénieur Ludner Remare, précisé compagnie Petrogaz Haïti a gen permis pour faire recherche sa yo selon la loi. Li souligné gen un protocole d'accord ak yon convention l'état signé ak yo ki jwenn approbation la Cour des comptes mais qui doit passer devant parlement. Ingénieur Remare a ajouté après étape exploration ça, l'état haïtien a bay compagnie yon permis exploitation sizoka yo ta jwenn pétrole. Ingénieur Ludner Remare a expliqué. Des travaux d'exploration qui a fait jeudi et que c'est une compagnie qui est le Petrogaz Haïti SA qui est composée de personnalités haïtiennes et de professionnels haïtiens qui la donne. Jeudi, c'est lancement officiel de travail, ça on va le déraper là et que nous souhaitons que le travail ça va aboutir positif. On cherche gaz, pétrole et gaz naturel. D'abord, yo fait le mandio. D'abord, le bureau des mines analyse est-ce que y a une capacité. D'abord technique, ensuite financière. Maintenant, une fois que y a réuni deux conditions, ça y a capacité financière, capacité technique. Eh bien, yo ba yo permis yo. Un protocole d'accord qui est signé avec yo, qui joigne et la non objection et de la Cour supérieure des comptes. Et ensuite, puis on est capable de faire travail ça, de négocier une convention avec l'État haïtien. Et la convention ça a été signée par deux ministres porteurs de ce dossier. Et ensuite, ils joignent non-objection et la Cour supérieure des comptes. En attendant que les autres suites légales, parce que convention, nous connaissons qu'il faut le passer dans le Parlement. Dans tous les pays du monde, la question pétrolière, la recherche, la question minière, il y a toujours des retombées positives et c'est deux secteurs qui sont capables que l'économie, nous capables de diversifier l'économie. D'ailleurs, tout à l'heure, M. Dili, on dit plus, il est capable de porter une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays. À partir du moment que l'exploration aboutit à des résultats concrets, positifs, eh bien, il y a un permis d'exploitation. Pour le pétrole, et quel que soit le travail qu'a fait là, quel que soit ça qu'a fait au niveau de l'environnement, le plus souvent, il y a toujours un impact. Parfois, il y a un impact négatif. Mais par contre, il y a des mesures qu'il faut prendre. Il y a des mesures préventives qu'il faut prendre. Et le travail ça qu'a fait là, il y a toutes mesures qu'il prend pour éviter que pas gagner de problèmes collatéraux, de problèmes qui concernent l'environnement d'une manière négative.